Jackie, Jackie, t'as 4 L, t'as 4 L. Jackie, Jackie, t'as 4 L, t'as 4 L. Abonnez-vous. Hey yo les gens, j'espère que vous allez bien, on est le dimanche 8 janvier. 8 janvier, c'est ça. Et je suis avec Alex et puis je suis sur le départ. Ouais, on est sur le départ parce que bah, monsieur s'en va. Concrètement, voilà. Qu'est-ce qu'on a accompli dans tout ça là? On a accompli un clip que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Ouais. Et on a accompli le live du concert. On a accompli quelques autres vlogs qu'on a tourné hier, on a tourné aujourd'hui. Que vous verrez aussi. Bah, c'est le début d'un gros truc parce que si moi je viens chez lui, on va pouvoir tourner d'autres trucs. Et lui va revenir sûrement avec d'autres personnes aussi. Exactement. Voilà quoi, c'est hashtag Alex. Bon, les potes, on vous laisse. Voilà. Moi je rentre à la maison, c'est parti. Ciao Alex, à bientôt. Ciao. C'était cool, merci. La bise. On connaît. Ok, on est bien rentré de Nice. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis quelques mini bouts de petits délires de ce qui s'est passé précédemment. Alors aujourd'hui, on est le 10 janvier 2017. Concrètement, on a effectivement des petits retards sur les jours de vlog. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, cette fois-ci, je vais vraiment uploader pas mal de vlogs d'un coup, notamment les parties suivantes sur les caméras. Donc théoriquement, il y aura 3 parties encore. Ça va être assez intéressant si vous souhaitez apprendre un peu sur les caméras. Et nous, là, en attendant aujourd'hui, on va faire un petit compte-rendu de ce qu'on a fait à Nice. C'est parti, on y va pour le petit compte-rendu de Nice. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait à Nice? D'abord, à Nice, j'y allais pour rencontrer Alex, parce que comme on l'a expliqué dans les vlogs précédents, avec Alex, on se connaît depuis très longtemps, mais on s'était jamais vu parce que bah, moi, j'habitais à Paris et lui à Nice. Mais également, on faisait une pierre deux coups dans l'idée, Alex jouait un concert vendredi soir, on voulait aussi lui tourner son clip. Donc les deux points clés à savoir, c'est ça, c'est qu'on a d'abord tourné son clip et ensuite on a fait le concert. Moi, dans le même temps, je voulais qu'on fasse des vlogs ensemble pour vous le présenter et puis pour que vous puissiez savoir à l'avenir un peu à quoi il va servir dans tous nos projets. Et également, du coup, il n'a pu nous montrer quelques petits trucs sympa sur la musique. Est-ce qu'on a réalisé nos objectifs? Est-ce que l'objectif a été atteint? La réponse est clairement oui, puisque on a fait le live du concert, le clip de vlog, un making of et quelques autres vidéos en plus. Donc on a été largement productif, puisqu'en fait je suis arrivé jeudi après-midi, genre fin d'après-midi, et je suis rentré avant-hier après-midi. Voilà. Donc du coup ça a été clairement rapide, c'était juste parfait, c'est tout ce qu'il fallait. En fait on n'a rien fait d'autre que ça, de toute façon. Voilà. C'est simple, on a fait que bosser tout le temps, on n'a rien fait d'autre. On a du coup créé une nouvelle musique pour les vlogs que vous avez pu voir. Donc le vlog, je vous laisse aller le voir, c'est le vlog d'hier. De toute façon, je vous mettrai le lien, mais allez le voir. On a fait une musique dedans, c'est hyper sympa. Il nous apprend un peu, il nous montre un peu comment on compose la musique. On a également pu faire le concert. Le concert, au niveau du live, il va bientôt arriver. Alors, je sais pas trop comment on va faire. On a eu un petit problème à cause du transfert du disque dur. Tout était dans mon disque dur externe. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, que j'ai mis mon disque dur externe dans mon ordi, tout s'est effacé. Heureusement, il me restait quelques trucs sur les cartes mémoire. J'avais pas vidé les cartes, perdu plein de trucs. Et par chance, Alex avait fait une copie avant que je parte du concert. Parce qu'alors là, ça aurait été la vraie catastrophe. Du coup, pour les projets qui arrivent assez rapidement avec Alex, vous allez pouvoir le voir très vite dans de nouveaux films dont je vais pouvoir vous parler demain. Parce que petite indication, du coup, le vlog de demain sera consacré à notre prochain film qu'on va faire. On va vraiment développer le truc et on va essayer de se bouger un peu et de le faire vite. Toutes les autres vidéos qu'on a fait, je vais les garder. Pour l'instant, je vais pas les sortir. Pas mal de choses qu'on va modifier qui sont, je pense, un petit peu trop longues. On a notamment fait le making of de la Dame de Marne. Mais clairement, on s'est pas trop regardé. On a pas vu le temps passer. Et du coup, le machin dure plus d'une heure. Donc, c'est pas la peine. Également, c'était la première fois que je mettais les pieds à Nice. Et franchement, Nice, c'est vraiment super beau. Donc, bah, les Niçois, vraiment, je pense, vous kiffez votre vie parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment un peu à part. J'ai fait pas mal de villes en France. Et ça m'a pas évoqué d'autres villes. De toute façon, le père d'Alex m'avait prévenu. Et c'est vrai que c'est vraiment super. Il y a pas mal de plans sympas à faire. Et moi, ça m'a donné quelques petites idées. Je pense qu'on va tourner très prochainement peut-être un petit film à Nice. Mais alors tout ça, au revers de la médaille, ça aura quand même été des journées assez courtes et remplies de travail. Du coup, on aura passé beaucoup de temps à monter ce qu'on a fait. Et pour l'avenir, j'espère que je pourrai me dégoter un ordi portable assez rapidement, parce que franchement, sur un seul ordi avec deux personnes pour monter tout un tas de vidéos sur deux chaînes différentes, c'est hyper compliqué, c'est vraiment long. Le seul avantage qu'on a eu, c'est que quand moi j'étais fatigué, j'en avais marre de monter, c'était Alex qui prenait ma place, qui montait, et inversement, etc. etc. Là-dessus, on a été assez productif, assez rapide, mais franchement, c'était chaud. Bilan et compte rendu final, un excellent séjour. On a produit quand même pas mal de contenu en si peu de temps. On a fait un clip en moins de 12 heures. On a fait le live du concert qui sera bientôt disponible. On a fait pas mal de choses. On a fait plein de petites vidéos, plein de petits vlogs. Moi, je vais rattraper tous mes vlogs en retard. C'est promis, hein, je vous l'avais dit, je vais vraiment le faire. Du coup, nous, on va se retrouver. Je sais que ce vlog est pas hyper intéressant. C'est vraiment un petit bilan pour vous dire un petit peu mon ressenti, mes avis sur ce qu'on a fait et aussi vous partager le contenu qu'on a produit. N'hésitez vraiment pas à le regarder. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les autres
notre vlog et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Le vlog de demain parlera de nos projets sur notre prochain film qui s'appelle Asphyxia. Je vous dis rien de plus, je vous en parle demain. On se retrouve très vite, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, partager et mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et c'est hyper important. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à ciao et à demain. C'est une petite sérénade pour monsieur Adelin Vlog, abonnez-vous. Challenge. Vu qu'on vient de finir le clip et qu'il est pas mal. Alex, plus triste. Alex, plus joyeux. Jackie est à 4L. Jackie à 4L. À 4L. Jackie, Jackie, ta quatrelle, ta quatrelle.